Bonjour à tous, aujourd'hui crash test sur le maquillage, la palette de chez Biss. Maquillage aujourd'hui. Voilà, donc j'ai déjà mis mon fond de teint de chez Biss Maquillage, hein. Je ne vais pas le faire à chaque fois. Donc on va essayer la palette. Elle est très jolie, la diamante. C'est la dame diamante, donc on va utiliser du bleu. Voilà, toujours métallique, la couleur elle est métallique. Là, j'ai pas mis de primer aujourd'hui parce que la couleur elle est trop top. Elle se voit bien. Et celle-là, la couleur elle tient vachement bien. Donc j'ai pas besoin de primer pour celle-là. Ce qui est plutôt cool. Voilà. Donc là, je vais venir quand même peut-être estomper un petit peu. Voilà. L'autre nonneuil. Donc, palette de chez Biss Maquillage, le site internet. C'est la troisième ou quatrième palette que je prends chez eux. Et je suis pas déçue. On estompe. Le plus haut possible quand on a des nénelles qui tombent. Pour casser un peu la paupière qui tombe. Et comme je suis dans le bleu, je vais rajouter le crayon bleu en bas de l'œil. Le crayon, il vient de chez Action, la marque Max More, qui marque très bien aussi. Un petit coup de crayon aura des cils. Crayon noir aussi de chez Action. 1 euro le crayon. Là, juste que au ras du cil. Le mascara, toujours de chez Centracorp. Qui fait des cils volumineux, moi c'est ce que je préfère en ce moment. Vite fait, bien fait. Voilà. Voilà. Voilà les filles pour. La palette de chez Biss, maquillage, le diamant, pigmentation, nickel, 7 euros et quelque chose. Voilà, donc je donne rendez-vous pour le prochain crash test dans les jours prochains. Bye bye!